Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Retro Worlds avec notre ami Dark Mist et de Push Start avec notre ami Dark Mist. Un nouvel épisode de Push Start et de Retro Worlds. Comment ça va, Butters? Ça va bien, et toi? Bah ça va très bien. Voilà, on est parti pour une nouvelle aventure, hein, comme on peut le voir pour ceux qui connaissent, parce que ça, on ne peut pas connaître Astérix et Obélix, c'est impossible de ne pas connaître. Ah, j'ai cru que c'était les Schtroumpfs, j'ai confondu. Ouais, non, on avait dit les Schtroumpfs, mais on avait dit qu'ils étaient trop petits, donc on les verrait pas à l'écran, donc on a abandonné le projet à ce niveau-là. C'est vrai, c'est pour se faire gargameler. Yu-Gi-Oh! C'est du yu. Regarde. Youhou. Ouais, ça fait gay quoi. Youhou. Bah c'est le barde. C'est la voix du barde. Assurance Tourix. Eh oui. Ah oui, Assurance Tourix. 92, un jeu classique beat'em all qui se joue à deux forcément vu qu'on l'a choisi. Donc bah Monsieur Butters a lancé la partie quand vous êtes prêt vu que c'est vous le deuxième joueur. C'est... Vas-y go. Il y a 60 crédits. Ah c'est bien, t'as vu, c'est pas pute, il bloque pas le truc. C'est vrai. Ça c'est bien, je trouve. Ah, on fait comme ça au pif. Bah, c'est plus marrant, vas-y. On attend que le temps, il y a du temps. Comme ça on sait pas. Je trouve que c'est marrant le concept. Bon, ça va déchirer des oreilles peut-être, mais normalement non. Yes, j'ai pas gros pâté. Ah, ça commence, il y a de la baston dans le village. Hein. Bon, allez. Ça me dérange pas d'avoir le gros pâté, perso. Ah merde, il balance du milliard d'entrée le mec. Donc on peut choper les mecs. Hein. Le jeu était vraiment bien foutu, respectait énormément l'univers. Parce qu'on pouvait mettre des baves déjà, rien que ça. Voilà, tu pouvais ça va du mec. Alors par contre, je sais pas quel est mon deuxième bouton. Ah oui, c'est un saut, d'accord. Sanglier. Mais c'est vrai que... Moi c'est un jeu qui m'avait marqué en arcade. Ah, tu vois les bisous? Ouais, mais tu vois, ça m'a pas... Mais je sais plus ce que ça donne dans cette version-là. Je sais pas. Dans la BD, je sais que pour certains, ça donnait... Oui, ça donnait comme de la potion sans fait du Tarzan. Faisait les bisous. Je sais pas s'il y a le friendly... Ah oui, il y a pas de friendly... Si. Fire, bah... Si t'es tombé par terre, c'est que... La forêt. Là, sanglier. Oh, y a un... C'est quoi, les centurions, ça? Et des curions, c'est au-dessus. Faut pas que je me trompe. Tiens. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Bah t'as pris ton chien et t'as rapporté de la viande. Ah ouais. Ah cool, en plus je crois qu'il m'a redonné de la vie, non? Bah oui, la viande ça redonne de la vie. C'est la balle. Sinon ça sert à rien de rapporter de la vie. T'as pas ramassé des casques normalement aussi? Si. Parce qu'Obélix il fait des concours. Ah, y'a de la popo! Ah bah oui, y'a de la popo, vas-y prends, c'est pour toi. Ah bah voilà, c'est ça que j'ai dû ramasser sans faire exprès. Mais je croyais que j'avais pas le droit. Alors les fruits, ça a l'air de donner des points, mais est-ce que ça donne de la vie? Je ne sais pas. Je sais pas. Bah faudra que tu regardes quand t'en prends. Ouais, c'est ce que je vais essayer de voir. Il y a du... J'allais dire du sanglier, du centurion au mètre carré. Tape le gros Casaldi. Regarde, coup de cul. Hey, gros Castaldi, allez, ouais, descends ton cheval. Oui, ah, quand je dis gros Castaldi, c'est référence au film. Bah oui. Je n'ai rien contre Monsieur Castaldi. Ah, c'est le premier boss, ça. Ouais. Je me rappelle, la romaine à la tortue. Aïe, ah oui, il faut taper, on se casse. Ah bah, chacun son tour. Je crois que c'est deux coups, non? Et quand il sort... Ah, les enfoirés. Hey, les Romains, vous êtes des Romaines. Allez, cassez-vous. Allez, barrez-vous. Astérix, il est mort de rire. Non, mais c'est bien, ils avaient. Qu'est-ce comment fait ça, ça fait des bisous? Ah, c'est trop gay, là, ton jeu. Oh, ils sont gays. Oh, la guititude. Oh, le stage, comment ça marche? Je sais pas. Ah oui, fouet et sauter. Ah, je suis en bas, c'est perturbant. Courez, courez, sautez. Dormez, ah merde, dormez. Tu vois ça? Tu te rappelles? Ah ouais, c'est Simpson. Ah bah oui, j'ai... Ah oui, d'accord, il y a trop de... Ouais, en fait, si tu bourres, tu l'as dans l'os. J'ai gagné. Ah ouais, il y a du temps en plus. Ah non, j'étais au goal.
suis dégoûté. Ouais. Là, t'étais au goal, t'arrêtes les buts. Combattez les méchants architectes et sauvez les bons dans le royaume d'Égypte. Ah, allez, on va... C'est vrai que celui-ci reprenait un peu un mélange de BD. Ah, regarde, tu vois, il y a un numéro bis en bas. Oui. Qu'on me couvre d'or. Et il y a mon beau-fils. Il y a ton beau-fils. Et Gaël, ouais. Mon fils aussi. Il y a Gaël, mon fils. Merde, j'ai pas pu le taper. Mais vas-y, calmez-vous bien, vous. Je vais vous mettre des baffes, moi, tu vas voir. Oh, regarde, des baffes. Les Égyptiens, ça? Ah non, c'est des tornades. Je sais pas ce que c'est, mais ça me fait chier. Une petite musique égyptienne. Wow. Ah d'accord, ça te tue carrément. Ouais. Il y a de l'ambiançage. Il y a de l'ambiance dans ces boîtes de jeu. Ah non! Toi aussi t'es mort? Mais non. Oula! Mais non, lâche-moi! Allez, danse, gros là. La danse du gros. Oh, coup de cul, le mec il a voulu me taper dans le dos, je lui mets un coup de cul. Oula! La danse du ventre. Ouais! Regarde. Allez, oh. Bisoute-moi. Ah merde, déjà un crédit. You. C'est pour te motiver, ça. Arrêtez, lâchez-moi. Je sais que tu aimes. You. T'es une sacrée danseuse, dis donc. Astérix. Toi, descends de là. En même temps, d'un côté... D'un côté, ils ont raison. Astérix et Obélix, ils étaient gays, je trouve. Non, c'est pas vrai. C'est les rayures qui faisaient ça. Non, deux mecs qui vivent, deux moustachus qui vivent ensemble avec un petit chien. Je sais plus c'est qui a dit ça dans un humoriste qui en a parlé, mais je trouve qu'il a raison. Ah, calme-toi le jeu, calme-toi. S'il te plaît le jeu, calme-toi. T'as lag un peu, il y a des petits lags. Ça va se stabiliser. Voilà, un jeu où on peut mettre des baffes. Attends, je viens d'apparaître et... Oh là ! On s'est fait crêper l'entrée. Quoi ? On peut pas les taper. Moi, ça m'a permis d'avoir un régime express. Ouais. On peut le dire. Non, c'est pas méchant de dire ça. Voilà, mon perso n'est pas gros. Avec la boule. Là, je crois que j'allais me la prendre. En fait, c'est juste une phase d'esquive, quoi, ce passage. Ah non, c'est bon, ça tape. Ah bah oui, j'allais dire pourquoi on n'affronte pas des Égyptiens, mais non. Bah parce que César, il est plus squatté. Bah oui, c'est parce qu'on tient avec eux. Ah si, tiens, il y a des Égyptiens. Ah bah oui, il y a des Égyptiens traîtres, normalement, ils vont... Bah oui, de l'autre, là... De mon beau-fils. Serpent. De Darmon. Ah oui, de Gérard Darmon. J'aime bien, en plus je trouve qu'il le joue tellement bien. Ah oui, excellent, genre. Lui et Dieudonné dans les deux rôles. Oui, un des derniers rôles en plus de Dieudonné. Ouais, je trouve que franchement, c'est juste magnifique le duo quand ils sont ensemble. Et le chacal et le serpent. Ah ouais. Ce tombeau sera votre tombeau. Ah mais j'étais en dessous de la dalle. Crève la dalle, tu veux un sandwich? J'ai hésité avec Bande de Chacal. Ah là là, quel magnifique, quel film énorme. On se ratait. Ah magnifique. Puis après ils ont après quand c'était plus à la Chaba ou comment. Non, là, calme toi le jeu. Ils ont fait du caca. Ah non. Il a pas aimé. Vous inquiétez pas, ça va revenir. Bon, faut meubler, c'est ça? Ouais, il faut meubler. Voilà, moi j'ai enlevé le son en plus parce que comme je suis pas dégueulasse, voilà, j'enlève le son. Ah, bah ils m'ont tué! Oh, les salauds! Bah, c'était mérité. Hein. Ils ont laissé là, le gros et puis... Oh, oh regarde! Je fais des plats. Ah, attention, il y a des pillages. Bah, reste pas dessus parce que je crois que t'es sur un nouveau. Il y a des pièges, des... pillages. Mais pourquoi je gros il est pas tombé? Bah oui, et moi je suis tombé. Ouais, mais toi t'es tombé dans un trou qui existait déjà. Ouais, mais j'ai fait haut. Comment j'ai pu tomber? Astérix, Obélix. Mais il est où? Mais non. Ah, c'est parce que moi j'ai un gros cul. Et il y a ta potion là-bas.
Là, je fais de la merde, moi. Ouais, mais j'ai le plus gros, donc forcément... Je vais dire, voilà. Oh, viens, merci. Viens là. Eh, wesh, gros. Non, regarde, tu vois, je suis à peine... Ça, c'est dégueulasse, ils mettent des chapeaux de... Ah, bah, je suis tombé. Ils mettent les casques romains... Ah non, t'as pas le droit. Ça m'a fait peur. Coup de cul. Tu vois, il peut pas tomber, c'est dommage, parce que moi, j'ai eu un petit coup de cul, en plus. Tac, genre discret, coup de bide. Mais quoi, mon bide? Qu'est-ce qu'il a, mon bide? Je suis en train de me demander quel titre je vais donner à cet épisode. Qui est gros? J'aurais pu l'appeler le bon son, le grand et le très grand. Le nain, le gros et le très grand. Ah, mon beau-fils! Ah bah, ils sont là, regarde les deux. Ah bah non! Ah oui, j'ai le truc de la lumière, c'est ouais, vrai. Bah ça oui. Aussi, il l'avait repris dans le film. Ah oui, lui, on peut pas le taper, celui-là. Oh! Ouais, il m'a transformé en cochon. Ah, moi, c'était en chien. Je lui fais le cul, vas-y. Je lui fais le cul. Non. Non, t'as dit qu'il y avait déjà des trucs un peu douteux, alors on va éviter ça, s'il te plaît. Ouais, j'ai défoncé le gros. Non. On défonce pas le gros. Mais non. Ah, t'es mort à ce moment-là, donc je me suis fait baiser. Non, je me suis pas fait baiser, c'est pas vrai. Ah, c'était le jeu du déplacement. Hein. Mais il va avoir des problèmes, lui. Le mec, il a des soucis, il a des flamèches tout au-dessus de la tête. Oh. Putain, par contre, il a masse HP. About to die, quoi. Et il est presque à mourir. Non, mais non, vas-y, j'étais invincible. Allez, giga patate, bam, dans son cul. Ouais, ça va être giga patate. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Il est pas content parce qu'on l'a battu. C'est bon, on l'a battu. Il nous insulte en égyptien. Ouais, je crois, mais il parle anglais. Bah, non, regarde sur sa tête. Architecte, le palais fut construit, Cléopâtre en fut très fier, mais César très vexé. Astérix, ah, c'est j'ai mis le double langage français-anglais, c'est pas mal. Ah oui, on va en Grande-Bretagne, cool. Ah, en Bretagne pour l'époque, on a même droit à des petites scènes animées. C'était le passage, si je me rappelle, dans la version Super NES où tu jouais le stage dans le brouillard, non? Je sais plus si là où c'est dans celui-là. Non, je crois que c'est la version Super NES où il y avait ça. Putain, tu mets des tartes aux requins, quoi. Fais gaffe, hein, je te fais la bouche, moi. Ouais, t'es dégueulasse. Je vais tataner la bouche, mais je parle aux requins. Ouais, ouais, tu me fais la bouche, s'il vous plaît, monsieur. Restez gay de votre côté. Ouais, bah voilà. N'en rajoutez pas, s'il vous plaît. Non, je tiens à dire que avant quand on a fait la phase d'essai il y a quelques temps en arrière, Butters m'a dit on fait ce jeu parce que c'est mon push-start favori quand on a appuyé pour remettre des crédits. C'est faux, je savais même pas que ça faisait ça quand on mettait les crédits. Il m'a dit ça, là il fait genre d'être surpris. C'est toi qui en plus. Alors là, chose qu'on. De toute façon, on dit tout. Ouais, c'est toi qui as choisi ces jeux-là. Ouais, c'est vrai, j'ai choisi les prochains jeux. Les deux prochains jeux avec celui-ci, c'est vrai. Donc, en même temps. Là-haut, t'as du sanglier. Je veux pas dire, mais tu peux le proposer aussi. Hein. Je sais que c'est un de tes classiques aussi, ce jeu. Ah, bah, je me suis dit, oui. C'est... On a fait pas mal de beat'em all, donc je me suis dit, on peut pas faire Retro World et Push Start sans faire Astérix. Bah voilà, mais vu qu'on est on fait pas mal de beat'em all. Ah merde, je voulais catapulter quelqu'un, moi. Oh, joli coup de cul. Et il t'a défoncé. Ah mais j'avais pas capté en fait que c'était le boss déjà. C'est déjà le boss? Ouais. Allez, les petits. Par contre, t'as pas eu de nouveau stage bonus depuis. Hein. Oh, on aura peut-être un là. Je sais plus comment on les gagne, mais... Oh, comment tu t'es fait fuiter, hein.
Monsieur adepte du sadomaso. Ah, c'est pour ça qu'il veut plus traîner avec moi. Non, mais je comprends. Je comprends. Monsieur aime les fouets, le cuir et le latex. Y a pas de problème. Le cuir moustache. Je sais que vous êtes ouvert à tout. Le cuir s'est ouvert. On a déjà, on a déjà les moustaches. Il nous manque plus que le cuir. Faire des propositions sur les vidéos de sa chaîne. Non, non, sans façon. Vous inquiétez pas. Oh, regarde, c'est qui donne son cul, là. Ça me fait penser à... Merde, c'est lequel le film avec Jim Carrey dans les toilettes où il arrive... Dumb and Dumber, le premier. Ah, c'est Dumb and Dumber, voilà. Où genre il arrive juste le jour et l'heure où il y a le petit message. Et heureusement, il est sauvé par son ami. Putain, on se fait déboîter, je peux pas dire. Ouais. Oh, le coup de cul. Ah, on va faire du sauter, frapper, quoi. Ça sera mieux. Ouais, vous me faites peur. C'est bon, j'en ai tué un. Bah, j'ai tué le Il deuxième. A plongé, la balle aussi. Tu vois, ça suit. Ah, je grouille aussi. Bah, lui aussi. À nous le bateau. Non, je me. Non. Ah non, ils se sont tapés dans la main. Ça va, ouais. Défaite du village sauvé. Breton sauvé. Ah, un bonus stage. Ah, mais merde, c'est un nouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des fruits et il y a des renois. Moi, c'est ce que je lis. Je sais pas ce que c'était ça, mais j'ai dit j'y touche pas. Oh, monsieur a gagné. Les gogos. Ah non, oui, gars, avec Mousse Diouf. Ouais, c'est avec les pirates. C'est nos amis les pirates qui sont toujours savates la gueule dans chaque BD en général. Je crois pas qu'il y ait d'épisodes où ils sont pas une fois sauvés. Ou en tout cas où on les voit pas. À part peut-être la rentrée gauloise, je ne sais pas. Halt, bonjour mon petit chat. Help me. Oh, il faut aider la belle Falbala. Elle a pas été kidnappée ou un truc comme ça. C'est quoi? On se croirait en Hispanie d'après les persos. Ben, je sais pas. C'est la sensation que j'ai. Oh, ouais, ok. J'essaye de prendre les œufs en fait par terre, mais. Le jeu, calme-toi. J'ai rien compris. Il y a un mec là, faut le défoncer parce que. Bah, j'avais défoncé le mien, mais je vois que tu galères, quoi. Y'a pas de soucis, hein. Je viens aider, moi. C'est par là. Merde! Il a fait un dash à ce moment-là, le coup. Non, calme-toi. Putain, à chaque fois, j'ai l'impression que je me fais carte. Oh, les dashs. C'est dangereux. Y'a Idéfix. Y'a mon copain Idéfix. Il nous a donné des cadeaux. Et il est où, moi, mon petit rôti, là? C'est moi où je me suis fait entuber mon rôti? Il peut pas donner les deux. Mais si, il y avait Panoramix, il nous a dit que c'était bon. Mais il en a de la bonne, là, le druide. Le druide, il m'a dit, c'est bon, j'ai de la bonne. Il est encore plus fort que Merlin. Attends, parce que... Je voudrais me venger du gros, là. J'ai dit venger. J'ai pas dû me faire défoncer. Bon bah tant pis. Hein. La vengeance est un plat qui se mange froid. Il a gagné. Ouais, 1-0 pour lui. Pour cette fois-ci. Ma vengeance sera totale. Bah, mais elle peut pas fermer un peu sa gueule, elle. Est-ce qu'on lui a dit qu'on s'en foutait en fait de venir la sauver, que c'était juste un vieux prétexte pourri? Et que notre but en fait à nous c'était juste de tabasser les gens. Tu vois, ils disent qu'il y a des trucs. Voilà, carotte pas mon rôti. Ah, je lui ai dit quoi, Lana? Ah, voilà. Mais viens là. Voilà, un partout. Allez, ah, y a la revanche, là. Non, tu me le laisses, lui. Ah ouais, mais lui, il a un couteau, en fait. Et voilà. Mais oui. Ah bah oui, mais... Ah merde, juste quand je fais you. Oh non. Oh, les dégueulasses. Voilà, c'est des petits soucis, mais... Mais en même temps, si elle fermait sa gueule, peut-être que ça ferait moins laguer, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas. C'est pas la journée de la femme, on a le droit de dire ce qu'on veut, non? Ah, il veut du pognon ou notre vie? Bah...
j'ai envie de dire ta gueule, moi. Voilà, moi on va te baffer la gueule, quoi. Est-ce que ça, c'est dans les troisième choix? Oh, ne se prononce pas. Ouais, mais le mec, il vient avec des masses et tout. Non, mais sérieux, quoi. Mais regarde, moi, je mets des baffes. Qu'est-ce qui t'arrive, mon gros? Ah, oh, mais comme par hasard, j'arrive. J'ai chargé mon coup, mais ça l'a mis dans le vent. Bah, moi, ça l'a pas touché. Non, mais attends, lâcher, on va pas se faire voir par un. Oh, j'ai voulu le prendre dans le dos, mais ça pas. Ça j'ai réussi. Regarde. Ah merde, il s'est décalé, petit coup. Ah, sa mère la truite. Ah, bah oui, mais attends, je repop juste sur lui. Et ma frame d'invincibilité, elle était où? Allez, elle est morte. J'ai gagné un. Je sais pas. T'as gagné un vie, non? Peut-être. Oh, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, que se passe-t-il? Faut sauter. Bah, je veux bien, moi. Eh, j'avais dit en bas! Eh, je peux pas descendre! Bah, merde. C'était en bas. Ah, jump! Ouais, mais je veux bien. Mais j'ai sauté. Ah, parce qu'il faut sauter quand il revient en arrière. En fait, il y a des moments pour jump. Ça, je me suis retrouvé en dehors, moi je sais pas comment j'ai fait. Oh ah, tu vois, c'est, la nouvelle c'est la nouvelle attraction du parc Astérix. Ouais, voilà, t'avais des genres de mini-game in-game. Thank you, Asterix. Ah ouais, ça fait plaisir. Ça, c'était un peu les scènes érotiques d'Astérix et Obélix quand même. Hein, faut le noter. Hein, tu voulais en Hispanie, Michon, c'était ça. Ah ouais, maintenant, bah, Non, maintenant on fait Astérix en Hispanie. Mais non, c'est pas celui qu'on vient de finir. Ah, ah non. Ah oui, il y a soupe à l'oignon et il crouton. On voit son fils Pépé. Bah, on était où alors avant? Germanie peut-être. Chez les Germains, non? Ouais, peut-être chez les Goths ou les Wisigoths, mais parce qu'ils se ressemblent un peu. Bah, en fait, j'ai pas fait gaffe, j'avoue. Les mecs, ils suivent tellement le jeu. Non, on est juste là pour tabasser. Comme quoi, il y a une part de vrai. Bon, mais arrêtez de ramasser des gens, je veux mon rôti, moi. Hop, qui lui vient à l'attaque, là. Ouais, casse-toi, le chien. Bam. Tiens, bam. J'ai tombé dessus. À mon tour. Va pas me faire chier, la gourdasse. De menhir dans sa face, regardez-moi ça. Tu vois que c'est intéressant d'apporter ces menhirs, monsieur Astérix. Vous dites toujours il faut pas prendre des menhirs. Quand je vous dis que c'est important d'avoir son menhir, un menhir de poche, ça sert toujours. Arrête, et tu pourrais te perdre dans un menhir. Mais c'est toi qui pourrais te perdre. Hop là, elle m'a embrassé. Comment ça, monsieur Slash? Elle nous suit partout maintenant, la meuf, alors. Bah ouais, c'est ma meuf. Mais genre... Oh, mytho, le mec, elle a un mec. Ouais, c'est moi. Je l'ai déjà vu. Non, c'est pas toi, c'est un grand mec qui était capturé par les Romaines. Regarde, elle s'est dit, je sors pas avec un mec qui se fait ouvrir. Dès qu'il y a un truc qui s'ouvre, il y a des Romains qui lui foncent dessus, le mec, il se fait dégommer. Elle a fait, c'est bon, moi. Bam, coup de pompe. Allez, on pénètre. Faut non, taper. Faut taper. Merde. Un gars, il se le prend à tous les coups, c'est le mec. Allez. Ouais, je viens de voir, là, t'aimes te prendre des lances dans le fondement. Bah. Ouais, c'était dans le dos. J'étais en train de réparer tes erreurs. Ouais, bien sûr. Vas-y. Ouais. Non, mais... C'est pas possible, y'a pas de...
Voilà, tu vois, c'est parce que tu les envoies là-bas et quand ils reviennent, bah oui, bah forcément. Mais non, je me suis quand ils sont. Et toi, t'étais pas quand là. Quand on les envoie, ils sont morts. Non, regarde la preuve d'Icurion, lui, il a survécu. Qui? Faut que j'arrête de me mettre devant, en fait. Ouais, allez, rentre dans ta maison et toi, rentre dans ta maison. Mais. Voilà, c'est bon. T'as la dernière cabane. Merde. J'ai fait un dérapage. Oh, mais non. Victoire! Allez, ok, c'est le dernier. Bonjour, on vient pour un appartement. Mais vas-y, vieux Astérix pourri, là, il met des baffes. Je vais te baffer ta face, moi. Ok? Ok. Qu'est-ce qu'il veut, gros pâté? Qu'est-ce qu'il veut? Coup de cul. Si t'arrives, qu'est-ce qu'il me veut le nabo? Ouais, d'accord. Ah, c'est le jeu quand même, il vous fait du crédit. Hein. Allez, fais du les boules pendant que je fais les cordes. Olé. Ah, parce que j'ai vu que tu te cachais en dessous, t'essayais de lui faire des. Olé! Youhou! Ah, comme par hasard, il s'est retourné. Ah, la cata. Allez, fais-lui le fion. Je sais que c'est le genre de truc que t'aimes. Voilà, regarde, je lui fais le fion. Olé! Olé! Ah merde, faudrait essayer de le choper hein, devant et derrière, en même temps, on lui fait une double. Une DADV. Bah voilà, on l'a perdu. Encore une fois, on peut remettre un au compteur. Ça fait 4. En même temps, pourquoi j'ai des citations de phrases de Captain Orgasmo quand je joue à Astérix et Obélix du chef Robin Saint-Essof et l'aventure espagnole prit fin. Voilà, franchement. Ah non, ça c'est dégueulasse. Ah non! Nos bonus. T'as, par contre, moi je suis nul à ça. Je suis presque arrivé. Non, chez Sherazade. Donc oui, le compteur... Astérix, Sherazade. Et il faut vraiment que je mette un compteur, hein, j'ai raison. Ils auraient dû mettre chez Sherazade. Wow. Bah non, mais c'est écrit Sherazade. Parce que son nom c'est Sherazade. T'as bien vieilli, Aladdin. Non mais c'est pas Aladdin. Ah bah si, Aladdin il a le tapis volant. Mais c'est comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Se battre contre le feu? Je sais pas. Ah non, faut ramasser les poulets. Mais pourquoi faire? Parce que ça se mange. Mais quel poulet en plus? Il y en a plus après. Si, regarde. En plus à chaque fois je me fais jeter les tapis moi. Ok. Ah merde, le con. Je sais pas si en fait faut pas descendre. En fait faut pas descendre un petit tapis. Moi j'ai vu de la terre ferme, j'ai dit c'est bon, on est arrivé. Et par contre ce stage il est pourri. Non, t'as dit ça aussi. Ah, j'aime pas moi ce stage. Moi je m'en fous, je tape devant, tape derrière. Je sais même moi, pas ce qui se passe. Ben non, regarde, je suis sur place moi. Je t'ai mis une droite. Bah j'ai vu ça.
Regarde l'écran d'un coup, il se barre, tu sais pas qui. Ah voilà. Il faut pas descendre avant l'arrêt complet de l'appareil. Ah, tout à fait. Ah, vous nous avez vraiment cassé les couilles. Par contre, je sais pas combien de crédits alors j'en remets parce que. On en a peut-être cramé beaucoup là, mine de rien. Oui, mais non. Mais si, on regarde, est parti, on en avait 80 et t'as pas arrêté d'en rajouter donc. Non, j'en ai mis un par-ci par-là en sachant qu'on en avait utilisé. Hein. Wow, en sachant que tu remets jamais de crédit. Je te connais. Le cell game. Non. Mais non, c'est pas le cell game. C'est un palais. C'est pas un terrain de Budokai. Viens là, Obélix. Pourquoi toi t'as pas ramené? Ouais, tu ramènes des vies. Ah, mais il y a deux idées fixes. Il y a un problème là. C'est pas possible. Ouais, la gourdasse qui a servi à rien. Non, le sanglier. Oui, en même temps, c'est vrai que t'es une gourdasse et tu sers à rien. Ah, il a mis le temps à rebondir le mec quand même. Avec la perche que j'ai tendue. Hop, petite fessée. Ah, monsieur, il a des muscles saillants. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Le grand vizir. Qu'est-ce qu'il fait avec ces serpents, là, Jafar? Qu'est-ce qu'il veut, le serpent sonnette? Regarde, Jafar, Jafar et... Jafar. Il y a Jafar et no good. Double. Ah oui, voilà, faut se poser, les mecs, sinon on peut pas vous taper. Voilà. Ouais, sinon, il n'y a pas beau geste. Qui est beau, Jacques? Ah bah oui. Ah bah, vous pensez à ramener du singe, il y a beau geste. Ah oui. Je vous vire, vous... Mais arrête de me frapper. Ouais, aussi, mais bon. Frapper. Bah, je suis en train de les frapper, moi. Bah, vas-y, frappe-les. Mais je vois que toi, tu galères. Ah bah, ah, oui. Quand... Moi, au lieu de les frapper. Quand je tape... Bah, tu fais comme moi, voilà. Mais t'es plus, ici, t'es plus haut. Voilà. Ah, alternation, vous, maintenant. Vous me voulez, hein. Bah oui, j'ai remarqué que t'es un boulet. Et voilà. Juste quand j'arrive à me trouver une petite place. Jolie place. Ouais, bah là, je repop. Oh, le coup de pompe en arrière, regarde. Oh, tiens. On dirait un... Astérix chez les karatékas. Astérix chez les gros. Ah bah oui, bah regarde, voilà, voilà. Ah, tu fais moins ta maline. Putain, il en reste pas grand chose. J'ai failli me faire carotter par les deux marches. Ah, je te tape et puis je me... Ah, c'est bon, je les ai eus. Non, pas de bisous, pas de bisous, pas de bisous. Je pense d'ailleurs c'était un bug. D'assurance Tourix, c'est la princesse fut sauvée. Ah oui, elle a été sauvée. Grâce à notre barde. De toute façon, je suis sûr, Butter, s'il triche à chaque fois ses stages. Oui, je casse le tonneau, c'est toi qui prends le trésor. Mais avance pas si vite. Mais pas si vite. Perfect. Perfect. Ah ouais, non, mais j'ai ramassé du loot là, toi aussi. Ouais. Ah, j'ai gagné cette fois-ci un partout sur le pont. Ah bon, j'avais pas fait attention. Le winner il gagne une vie. Ah, c'est ça l'idée. J'ai pas trop compris le truc. Ça, Astérix de... contre César. Vici César. On va césariser. Caesar. On va surmonter les épreuves. Ave Caesar. Quoi, il est déjà 6 heures? Que le temps passe vite. Ça c'est pas face de là au fond à droite? Ah, non. Il y a des gentilshommes là-bas. Ou des gentilles femmes? Ok, on peut pas casser les statuettes. Oh là! Ça balance une statue de 6 heures. Ah ouais, non, mais là il fallait avancer de toute façon. Oh, y'a du plus lourd là. Mais cassez-vous!
Wow. Oh, ça sent le piège à con ici. Ouais, là, les... C'est bon, là, les... Les lanciers, les javelins, enfin, je sais pas ce qu'ils font avec leur lance, là. Mais c'est surtout combien ils en ont. Moi, c'est ça là, qui m'a... Là, tu m'as mis un coup de menhir, j'y crois pas. Ah, ça va être mieux, ici. Ah, j'en ai marre de prendre des lances dans le cul. Sérieux, quoi. Les mecs, ils te font les seufs à l'autre bout de l'écran. Va falloir se calmer, à un moment donné. Ah, tu fais moins ta maligne quand t'es au cac. Saleté de romaine. Non, mais t'es sérieux? C'est le même... C'est exactement pareil, sauf qu'ils ont mis un tigre à la place d'un taureau. Non, mais... Bah, il fait moins gros, quoi. Bien, je mets une fessée, moi, ton tigre. Regarde comment je le fesse. Tiens, non, Roguette. T'arrives pour finir mon travail. Moi aussi, je l'ai fessé. Hugo. Ils auraient pu mettre, je sais pas, des gladiateurs. Regarde, fessé. Je te le fesse, moi. Ouh, un gros chaton. Qu'est-ce que tu veux? Le gros chat, là. Qu'est-ce qu'il me veut, le chat? Il est moins agressif que le taureau. Il est plus docile. Regarde, bah c'est normal, tu lui fais les fesses, regarde, fessé. Et après, tu lui mets des baffes. Mais par contre, il va avoir masse vie parce qu'il en a pas encore. Sa barre est pas encore descendue. Non, mais arrêtez de me frapper, monsieur Astérix. Ouais. Sa barre, elle clignote, mais elle est toujours pas descendue. Ouais, perd pas beaucoup. En plus, c'est un sac à HP. Bah, vu qu'il est. Plus docile que le taureau. Ouais. Bah, il faut quand même pas abuser, quoi. Je veux bien qu'il soit docile, mais à un moment donné, il faudrait peut-être perdre de la vie. Non, mais il y a une arnaque, c'est pas possible, j'ai l'impression que sa vie, elle descend pas. Écoute, ah non. Oh, tu te calmes, je vais le baffer et je me casse. Voilà, je sais pas où je vais, mais je me casse. Je saute. Non, mais j'essaye d'expliquer un peu à nos auditeurs ce qui se passe. Je saute, voilà, je tape, je saute, parce qu'on va voir, ça va tout être en accéléré sur 0,00001 seconde. Alors il va falloir être présent hein, quand ça va se passer. Ah. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Alors que j'enlève l'anti-bruitage pour le cassage d'oreilles de nos amis invités. Voilà. Je peux pas, si j'enlève le bruitage, j'enlève la vidéo. Ah bah voilà. Il avait gagné. Ah bah c'est lui qui a gagné. En même temps, j'ai presque envie de dire c'est normal. Mais est-ce qu'il est tout seul au moins? Oui. Ah ça paraît peut-être, ça y est, peut-être qu'elle commence à descendre. Ouais. Attends, je suis qui? Ah c'est bon. T'es gros? Non, j'ai eu un petit souci l'espace d'un instant. Ah, regarde sa barre. Ouais, ça y est. C'est vrai, je t'ai dit, c'est un gros sac à PV. C'est un petit chat, mais... un gros sac à PV. Calme-toi. J'ai fait le cul. Mais comment il a pu me toucher, là? J'étais à 3 mètres de lui. Tiens, baffe dans ta gueule. Hey, y en a eu deux. Allez, viens. Boxeur, mon gars. Ah, mais il va avoir encore plus de PV, ce sac. Je me demande si c'est pas le dernier boss, tiens, lui. Ah, je sais plus c'est qui le dernier boss, mais c'est possible que ce soit lui, hein, vu qu'on est devant César, ce serait logique. Ouais, qui nous mette son meilleur champion. Coup de bide. Coup de cul, coup de bide. Oh, comment il t'a mis une double esquive, regarde. Ah bah toi aussi. Non mais il va se calmer, Maximus. Je sais pas comment il s'appelle, lui. Bah, il s'appelle Ennemi. De toute façon, ils s'appellent tous Ennemi. Non, mais dans le... Dans la BD. Il s'appelle pas. Il s'appelle pas, il vient tout seul. Voilà, tout à fait. Tiens, un coup de cul. Ah bah, moi, j'utilise les arguments de masse, hein, dans ces cas-là. Je veux dire, je trouve que c'est normal. Ouais, sauf que là, t'as pas bougé, t'as rien fait, et le mec est venu, il t'a mis une droite. Bah en fait, j'ai relâché momentanément la manette. Ah voilà. Quoi, c'était momentanément. Allez, viens, boxeur. Je m'étais dit que c'était bon.
Putain, mais il est en train de nous mettre une raclée, le mec. Ouais. Allez, défonce bison. Enfin, bon, je pense qu'il faudrait étudier une strat. Genre l'attaquer en même temps et synchro, tu vois, un devant, un derrière, pour voir s'il peut esquiver. Ah bah non, il peut pas esquiver quand il est deux. Enfin, quand tu le tapes dans son dos. Bah on sait jamais quand des fois il fait bam, des coup petits, de pompe dans son... Allez, tape-le. Toi, on le perturbe. Ah, tu vois qu'il arrive à gérer. Il fait chier. Ah ouais, il se retourne. Ouais, je t'ai dit, il va faire chier le monde comme ça. Ah, sa barre change de couleur. Ouais, il est bientôt mort. Bon, en même temps, on a pris 50 crédits juste pour lui. Voilà, c'est bon. Suivant. Ah, mais ils nous ressortent les boss, les mecs. Ils ont pas de face. Ah, mais j'étais un peu coincé dans le coin, là, si on veut le frapper. Il n'y a pas beaucoup de place, là, cette fois-ci. Je me suis fait rouler dessus, encore. Ah, tu t'es fait rouler dessus, carrément. Ouais, mais toi, t'as l'habitude, de toute façon, de te faire rouler dessus. Non, c'est pas ça, l'histoire? Non. Que d'après ce que je vois depuis le début du jeu, ça roule pour toi. Allez, oh là là, mais le mec il vient me buter quoi. Bah on est potes ou on est pas potes? Bah raison de plus. Youhou. Les rebelles. Ouh. Eh les romaines. Ça descend. On n'est pas nous on n'est pas des gauloises. Ah là-dessus, on est des gauloises quoi. Ça se fume. Est-ce que tu crois que ça se fume? C'est la gueule. Oh non. Ah, bah, ah voilà. Moi je prends le bleu. Maximus et Rémus. Maximus et Rémus. Ah bah si je... Ah bah il est parti Rémus. Ouais, non, il va revenir. Oh quoi? J'ai dit il va revenir. Oh Bouletman Bouletman. Ah mais regarde, il a une frame où il est pas bon. Si t'es collé à lui, il fait mal à distance mais pas au cac. Ah merde, j'ai approché trop tôt là quand il faisait tournoyer. Quand il fait la tournoyance T, c'est moins bon. Oh non, c'est pas vrai. Le mec qui suis en train de le défoncer, il vient me taper. Mais c'est même pas vrai. Mais arrêtez si, de mentir, tout le monde monsieur. Était moins. Même les mecs de Mad Max, ils sont témoins. Mais genre... Si j'étais pas là, tu serais rien, je suis Astérix sans ta potion. Bah on n'a pas de potion, ça, on en a eu... Un par stage et ouais, pour nous en donner pendant les boss. Bah, hein. Bah c'est bien pour ça que tu te fais des canillés là. Moi je suis tombé dedans donc je suis fort, je leur fais des dégâts. Mais ouais, moi je suis fort parce que voilà. Je suis pas tombé dedans. Mais t'es fort. Toi, t'es fort. Toi sans être tombé Monsieur dedans, Astérix, tu ferais rien du tout en fait. De mytho. Regarde, le ce serait frappe, franchement, tu serais pas tombé dedans, ce serait même pas Astérix Obélix, ce serait Astérix et Assurance Tourix, je pense. Astérix et Idéfix. Oui, c'est ça. Astérix et Idéfix. Bah non, parce que enfin, ça aurait été limite Tintin chez les Gaulois comme. Tintin chez les Gaulois. Mais allez, regarde. Bah quoi, ça. Un mec tout seul avec son chien, si, c'est ça. qui boot les méchants. Ouais, j'avoue qu'on est un peu dans l'idée. Mais il va se calmer sa mère, lui. Il me fait penser à Gro dans King of Fighters. Ouais, genre. Dans l'équipe de la Corée. Ouais, genre. Ah là, fallait que tu me chopes pour me donner un bisou. Ah, j'ai promis. J'emmerderai plus votre village. Ah, on va faire le banquier. On est en anglais, ça déconne quand même. Ainsi, l'aventure de nos deux compères se termine. Le festin peut commencer. Ah, ils ont attaché l'autre à l'arbre.
à quand la prochaine aventure? Ben, je sais pas, ils n'ont pas ressorti d'autres de jeux. Je fais bien le narrateur voix off. Ouais. Nalu no papa. Ah voilà. Les Jap, franchement, ils avaient énormément respecté quand même, que ce soit les BD, l'univers, etc. Il y avait un très grand respect. Hein. Ah bah les mecs, ils ont reçu les BD. Les mecs, je veux ça, mais en jeu. Ils ont transcrit tel quel. Tu me l'as fait comme ça, fin de l'épisode, cool. Donc un nouveau jeu fini, on n'aura pas eu trop de lag, ça va. On a mis 45 minutes, c'est un temps honorable. Ouais. Ah ouais, ça repart cash sans demander notre avis. Ouais. Ah ouais, genre le jeu repart à zéro avec tout le score et tout. Oh, moi je me laisse crever. Rien et on peut constater que j'ai fait 56 000 et que t'étais à 55 100. Ouais, 55 100 points. Ouais, mais c'est tout, c'est encore moi qui ai gagné au niveau du allez, score. Monsieur, je vous ai laissé prendre les trucs. Parce que voilà, Osef, moi perso. Voilà, donc bah monsieur, on va se quitter là-dessus. Hein. Ouais. On va pas se retaper. Merci le à tour. Tous d'avoir donc, regardé cet épisode. Voilà, merci à tous. Hein. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme toujours. Voilà. Alors, voilà. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Voilà. Ciao les amis. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.